Bonjour les pédaleurs, nous sommes installés dans un camping du département du Tarn. Nous nous trouvons donc à Réalmont, à mi-chemin entre Albi et Castres. Nous allons découvrir et vous faire découvrir la voie verte dite des droits de l'homme. Bonjour les pédaleurs, hier nous sommes allés du côté d'Albi. Et aujourd'hui nous partons en direction de Castres et de Lautrec, si nous y arrivons, vu que le temps est pas très très joli aujourd'hui. Voilà, le séchoir à ail de Lautrec. À mi-chemin entre La Boutarier et Castres. À votre santé, le pédaleur et les autres. Tchin. Elle est froide. Et les cigales. Repas terminé, le soleil est à nouveau là. On va souffrir de la chaleur. C'est reparti. Direction Castres et il doit rester encore 12 km. Ah, quelques endroits à l'ombre. Bonjour. C'est vraiment bidon les ponts. Bonjour. Aux abords de Castres. Par endroit, la piste a été ravinée. Ça entraîne des amas de sable, de gravier, qui font dévier, donc avec des risques de travers. Ah, enfin une fontaine! Oh! Il y a beaucoup de circulation, donc nous abordons l'agglomération de Castres. Oh.
d'Ancastre. On vous demande la reconnaissance. Le kilomètre zéro du chemin des droits de l'homme avec un lycée.